on se retrouve pour faire une carte d'anniversaire. Donc on va avoir besoin. Donc je vais utiliser moi le set de tampons panda festif. Je vais utiliser celui-ci et celui-ci. Et je vais utiliser ce set de tampons. Je vous laisse le regarder. Et on va prendre celui-ci. Ensuite, on va avoir besoin de la Versafine. On va avoir besoin de pad Narcisse Délice. Oups, c'est pas si c'est mis au point. On va se faire, voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'avoir une base de cartes qui fait 11 sur 15,5. J'ai découpé dans du papier des Narcisse Délice un papier qui fait donc 10,5 sur 15. Et j'ai repris du papier murmure blanc, pardon, je vais y arriver. Donc qui fait 10 sur 14,5. Voilà. Donc dans un premier temps, on va pouvoir coller cette partie-là. On va avoir aussi besoin de la colle ou de la colle adhésive comme ça. À vous de voir ce que vous préférez. Donc ce qu'il faut pas se tromper, enfin qu'il faut pas se rater sur celui-ci, c'est que vous n'avez pas le droit à vous tromper. Sinon, c'est foutu. Donc, j'ai pas pris mon outil touche à tout. Non. Ça descend légèrement. Je suis pas du tout droite. Voilà. Première partie faite. On peut aussi, je peux coller cette partie-là au final. Hein. Je n'aimerais pas du tout. Ah bah oui, comme ça c'est fait. Salut. Hop, je vais manger une recharge, je la ferai après. On a de la colle, tant pis. Mais je crois que la colle, pareil, j'arrive au bout de cette colle-là. Hop. On fait pareil. On se positionne et après... on appuie. Donc voilà. Ensuite, donc on va tamponner dans un premier temps des petites étoiles. Des petites découpes. Des étoiles, c'est des échos. Je vais sortir celui-ci et je vais sortir celui-ci. Donc excusez-moi, la batterie a lâché, donc j'ai changé la batterie. Donc je disais qu'on allait partir sur la petite déco. Donc je vais prendre un petit bloc. Je range pas mes petits tampons, je vais me retrouver à ne pas savoir où ça va. C'est pas mon style normalement, mais bon. On prend le Narcisse Délice. S'il veut bien. Voilà, ça c'est fait, j'en ai plein la main. Un truc qu'il faut éviter parce qu'une fois que vous touchez votre création, des fois vous avez des surprises. C'est un peu embêtant.
J'espère que ça devrait aller. Et là, bon, tout bêtement, on va déjà tamponner. Alors, est-ce que je devrais pas d'abord, on va peut-être faire le joyeux la Piper Day. Ça, je vais pouvoir le faire autour. Alors, hop, ça aussi, j'aime pas. Hop, voilà. Donc, on va le mettre à peu près par ici. Voilà. Et là, on va en faire partout. Vous pouvez le tourner hein, pour pas que ça soit tout le temps mis de la même façon. Je pense que j'en ai mis un peu partout. On met un là. Et un là. Voilà. J'en rajoute. Hein. Voilà. Comme ça, il y en a partout. Donc, je vous le rapproche pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc pour ça, on est OK. Donc, je le remets à sa place tout de suite. Donc ça, on est OK. Donc là, je nettoierai après. On va prendre donc nos petits pandas. Par contre, mes petits pandas, je vais peut-être les mettre en... que je les mets en 3D. Je vais peut-être les faire en 3D. Alors, on est déjà là. Une deuxième. Oh zut, bon c'est pas grave, faire le ballon en noir, au pire quand même. Bon, hop, ça je l'ai trouvé aussi après. Voilà, mes petits pandas sont faits. Je vais les découper et je vous retrouve. Donc je vous retrouve après avoir découpé mes petits pandas. Voici et voici. Voilà. Donc là, on va juste faire un petit truc. Hop, je vais vite faire ça à la poubelle. Hop. Hop, ça, je le range. Ça va bien. Hop. Voilà. En feutre noir. Hop.
Hop, voilà. Et là, donc on va mettre nos deux petits pandas en 3D avec la mousse de chez Stampin' Up. Ce château qui est là, donc je vais à peu près là, donc lui je vais mettre là. Oups. Carte très simple à envoyer, pas grand chose. J'aurais pu des... J'aurais pu comment dire découper mes pandas avant, je sais. J'y ai pas pensé du tout. C'est pas très grave. Vous verrez pas. Je ferai un montage. Je suis guettée entre l'allergie et le remonté acide. Je suis ravie. Voilà. Je crois que je les ai tous enlevés. Ça colle en tout cas. C'est bien cool. Hop, et là je vais le mettre donc à peu près comme je l'ai dit ici. Hop. Et voici la carte anniversaire. Toute simple. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!